Voilà déjà 10 ans que Kate Middleton et le prince William se sont dit oui, sous le regard du monde entier. En cette occasion, découvrez-en davantage sur leur lune de miel. De nos jours, il ne reste que très peu de familles royales. En effet, la plupart des systèmes de monarchie ont été abolis après la période d'après-guerre. De ce fait, les membres de la famille royale britannique fascinent toujours autant le commun des mortels. D'autant que leur train de vie est ce qui se rapproche le plus des contes de fées. La preuve en est, avec la lune de miel plus que somptueuse du duc et de la duchesse de Cambridge. Pour cet anniversaire particulier, le magazine Hello est revenu sur ce moment. Le prince William et Kate Middleton, le jour de leur mariage. Photo, Getty Images. Une destination surprise le 29 avril 2021 marque le 10e anniversaire du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge. Il va de soi que tout ce qui a trait à cette union est spectaculaire. Allant du mariage, qui a d'ailleurs été retransmis dans le monde entier, NBLR, à leur lune de miel. Toujours plus romantique, le prince William avait tenu à emmener sa belle aux Seychelles. Pour mieux surprendre Kate Middleton, son mari avait maintenu leur destination secrète jusqu'au jour J. Le prince William et Kate Middleton, le jour de leur mariage. Photo, Getty Images. Un séjour luxueux durant près de 2 semaines, le couple royal avait séjourné dans un somptueux hôtel situé sur l'île de North Island. Cet endroit est d'ailleurs très prisé par les stars pour leur lune de miel. Il faut dire qu'il y a de quoi s'extasier. Au programme, ces sables blancs, mer à perte de vue, massage, dîner romantique, et plus encore. Sans compter les différentes activités qui avaient été préparées spécialement pour les accueillir. De plus, l'hôtel leur aurait attribué une villa de 750 m² avec piscine et place grillée. S'ajoutant à cela, la croisière que le prince avait organisée pour sa femme. Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine, duchesse de Cambridge, assistent à la cérémonie de remise des diplômes Coach Corps pour plus de 150 apprentis Coach Corps au London Stadium, le 18 octobre 2017 à Londres, en Angleterre. Photo, Getty Images. Évidemment, un séjour aussi luxueux est très onéreux, puisqu'une nuit est facturée entre 6 433 et 10 126 euros. Il va de soi que leur lune de miel a été inoubliable, bien qu'ils aient été quelque peu offusqués de voir les photos de ce moment particulier étayées dans Woman Day, un magazine australien. Alors même que la famille royale s'était en quelque sorte mise d'accord avec les médias pour ne pas dévoiler les photos de leur lune de miel. Catherine, duchesse de Cambridge, et le prince William, duc de Cambridge, arrivent à la base aérienne de Turkan avant leur tournée royale au Pakistan, le 14 octobre 2019 à Rawalpindi. Photo, Getty Images. Pas autorisée à mettre du vernis à ongles, la vie de Kate Middleton en fait rêver plus d'un, de simple roturière, elle est passée de duchesse de Cambridge. Si son statut lui procure un certain nombre de privilèges, elle doit également se soumettre aux obligations qui vont avec. D'ailleurs, elle n'a pas droit au vernis à ongles de couleur vive. Kate Middleton, duchesse de Cambridge. Photo, Getty Images.